Bonjour peuple bien, c'est Roquenard et aujourd'hui, Je vais noter vos wallbangs. après avoir noté vos clips basiques, je vais noter seulement vos wallbangs. La dernière fois, vous m'aviez envoyé beaucoup de clips qui étaient vraiment à un level éclaté. Vous saviez pas pourquoi il fallait envoyer ces clips. Maintenant, vous savez pourquoi vous avez envoyé ces clips. Ça doit être des clips exceptionnels. Nous voulons découvrir des wallbangs fous. Avant toute chose, si vous aimez ce concept et tout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, elle est vraiment bien, franchement. Ok, c'est parti. C'est quoi, on va noter 15 personnes et on va faire une moyenne pour step up un peu la vidéo, tu vois. Est-ce que ce sera toi le premier noté? Voyons voir. Wow! Très sec! Non! Attends, c'est incroyable! Attends, regardez la minimap! Voilà! Oh la vache! Je te donne un 9 sur 10. Bien joué, monsieur Flo. Moi, je rentre ça, je crie fort, hein. Je réveille. Pas que tout le quartier, hein. Je réveille la ville carrément. Il y a des mecs à Lille, ils faisaient leur sieste, ils vont se réveiller. Vous savez, sur la chaîne Rocknar Live, je fais des tutos wallbang, j'ai fait des tutos wallbang, j'ai fait à peu près tous les wallbang. Sur train, j'ai pas encore travaillé les wallbang, et notre ami The Schlag va nous en apprendre un. Voilà, voilà, voilà. Après, tu vois, j'aime beaucoup les wallbang qui sont travaillés de base, mais le truc, c'est que ces wallbang-là, ils ont beaucoup plus de chances de rentrer. Parce que tu connais le spot, tu sais qu'il y a un mec là-bas, tu vas le tenter au hasard, tu vas peut-être le rentrer une fois sur 10. 6 sur 10. Je note mal, je sais, je m'en branle. Ok, regardez tous ces onglets. On va tout regarder. Un clip intéressant. Par contre, la qualité, frérot. Cyberlink Power Director. En 2020, utiliser Shadowplay ou bien Play TV, je sais pas. OBS, mais oui, OBS. On va voir, c'est pas grave, la 480p, ça dérange qui? Moi. Validé, hein. Validé. Vraiment beau jump shot. Dommage pour la qualité, mais bon. Luca Torti, tu es le quatrième élève. Et tu mérites la note. Franchement, 6 sur 10. Allez. Il y a beaucoup de clips quand même que vous m'envoyez qui sont pas du tout des wallbangs. Qui sont des wallbangs nuls à chier. Franchement, je suis honnête avec vous. Je veux pas vous lubrifier l'anus et tout. Mais il y a des wallbangs qui sont trop nuls. Voyons voir. Voyons voir. Allez. 10 secondes le clip. Pas mal, franchement, pas mal, simple, rare, mais c'est un spot qu'on connaît quand même. Du coup, ouais, Astelias, je le prends, je lui mets 4 sur 10. Ah, c'est vraiment bien ça. Ça, c'est un beau wallbang. C'est le 420 sur 10. Oh, c'est du foutage de gueule. Oh, ça, c'est du foutage de gueule, ça. Ça nous arrive tous de tenter des flickshots comme ça. Honnêtement, c'était beau. Bonus flickshot, bonus wallbang no scope headshot. Par contre, ton jeu, frérot, on en parle, ça ressemble vraiment à. Quelqu'un qui a pissé sur ton écran, quoi. Comment vous pouvez arriver à jouer avec ça? Genre, moi, ça me déconcentrerait d'avoir un jeu aussi. Avec les couleurs aussi éclatantes, on va dire. 5 sur 10. Voyons, voyons. Ok, monsieur. Monsieur The Magician. Bonus XDDDDD. What? Lol. What? What, lol? What? What, lol, les mecs, hein. 5 sur 10. La classe commence à se remplir. La prochaine fois, vous avez le doc qui est en description, vous allez m'envoyer vos meilleurs jump shots. Ah, mais il aime trop ça, lui. Les amis, je vous donne un conseil. Quand vous faites un move de ouf, ne vous arrêtez pas. Continuez, allez chercher le deuxième. Genre là, tu sautes sur la caisse, bam, 360, tu tues le mec connect. Tu vois, là, le mec, il s'est arrêté. Faut pas s'arrêter. Non, par contre, là, Chacal t'abuse. Il a filmé avec son tel une démo. Déjà, je vais t'enlever des points pour ça, hein. Mais on va voir ton wallbang quand même. Il est phénoménal. J'avoue que le wallbang là, il est phénoménal. Hein. La qualité, elle pue sa mère, mais on a vu le move. C'est dégueulasse, vraiment, c'est dégueulasse. Pour moi, ce wallbang est plus fort que celui qu'on a vu sur Cache tout à l'heure. Qui a quand même eu 6 sur 10, je crois. Celui-là, je vais lui mettre 6,5 sur 10. Un jeu bizarre, bien contrasté. Je sais pas si t'as mis des effets à la vidéo, mais c'est bizarre. Attends, attends, attends. La balle est partie là? Il a tué un mec. What the fuck? Là? Oh, c'est lourd! C'est lourd ça! J'ai dû vous exploser les oreilles. ZNK, je t'inclus dans la classe. Ton jump shot est fou! Je te mets un 7 sur 10. Je pense que c'est un wallbang qu'on voit jamais. C'est ça qui fait sa puissance. Est-ce que vous avez déjà vu des mecs sérieusement mettre des wallbangs à travers ce mur là? Bravo à toi, le 7 sur 10 est mérité. Je pense même qu'on peut te mettre 7,5 sur 10. Hein. Bien joué ZNK, 0,01% de chance par contre, je sais pas comment t'as calculé, mais je pense que t'avais un peu plus de chance quand même de le rentrer. Kounia Maman. Ok, wallbang, spot de wallbang connu. Est-ce qu'il va rentrer un deuxième?
Moi, le fait que tu te sois accroupi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais ça reste un beau clip. Attends, il veut nous montrer le début du prochain round, ok? Oh putain, attends. C'est vraiment le prochain round? C'est vrai. Oh! Il faut qu'on apprenne ce wallbang. Alors, il faut faire quoi? Faut se mettre dans le coin, là, à droite. Et tirer au-dessus de la marque. Putain, il est sale ce clip! Je sais pas si tu le cheats, mais très fort. Spot de wallbang connu, c'est ça qui fera baisser la note. Mais c'est. Là, il a eu 4 kills en wallbang quand même. Hein. 7,5 sur 10 pour toi aussi. Eh, la classe, elle est plutôt bonne, hein, honnêtement. Pika gratte. Réaction simple. Franchement, ce serait une bonne soundboard, ça. Oh! Oh! C'est un spot connu, malheureusement. Franchement, je te mets 4,5 sur 10. Z Crackty. Ouh! Un spot que je connaissais pas. On va. Ah, il nous montre même où le mec est mort. Ok. Ok, c'est bon à savoir. Alors, il faut viser où? Le coin tout au fond et tu vises. En gros, il aligne ça et une bande ici. C'est ça? Ouais, c'est ça. 6 sur 10. Non, comme c'est original, 5,5 sur 10. Quoi? Attends, quoi? Une. Ça, c'est un cheat, ça. Ah, je reconnais, hein, Matumata. C'est parce qu'il y a la GoTV, mais on voit très bien, regardez le ralenti, que là, il tire sur lui, son viseur, tu vois, il a fait un mouvement, comme ça. Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Regarde bien le viseur attentivement. Boum, premier kill. Il lock sur eux, hop, il lock sur eux. Il lock sur lui, il tire en bas. Tu vois ce que je veux dire? Il est en train de me hacker. Il est en train de m'envoyer le coronavirus. En plus de tricher, tu es sur un hors-sujet. Je te mets 1 sur 10, Mathias. Il y a quand même un wallbang. C'est pour ça que je te mets un 1 sur 10. Et on sait pas si t'as triché, mais on te soupçonne quand même, tu vois. Moi, je pense, je suis pas sûr, mais je te soupçonne. C'est quoi, on va faire 20 élèves, hein, une vraie classe. Alors. Il est blanc. Oh, ok, c'est original, ça. Le wallbang est connu, mais c'est original, le fait qu'ils mettent un wallbang blanc en tirant n'importe où. J'aime beaucoup le concept. Je te mets 3 sur 10. Quoi? Attends, quoi? Ok. Le mec est mort là. Ok, non, c'est beau, hein. Doggy, bien joué, Doggy. Tu m'as surprendu, là, j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi c'est en 1080 et c'est aussi moche, mais là, j'ai vu... Oh, j'ai rarement vu ça, hein. On arrive même pas à lire ton pseudo Colosse 3, mais la quad 4 en une balle, c'est pas trop dans le thème. Je pense qu'on fera une vidéo où on mettra des clips, vos triples, vos quads, vos 5 en une balle. Là, on va le compter pour le coup, même si c'était pas trop le concept. C'est pas des wallbangs, en plus là, c'est plus des made bang, quoi. Mais Colosse, ce clip est incroyable. 4 en une balle, pour moi, c'est 8 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est pas wallbang et parce que c'est un spot trop connu, simplement. C'est vrai que mettre des quads en une balle, ça peut pas arriver, genre, dans le connecteur Mirage, tu vois. Ah, le kill est incroyable. Je te laisse surtout pour la réaction, mais le kill est fou quand même. Oh, j'ai oublié ton pseudo. On va dire inconnu, 5 sur 10. 3K wallbang, ok. Là, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'en fait, il voyait pas les ennemis. Là, on est dans le thème wallbang. Tu rentres dans la classe et tu touches la note de 9 sur 10, sa mère. Non, 8,5. Pourquoi tu te mets pas 9? Parce que c'est un spot connu. C'est mieux que la quad, pour moi. Ok, voyons voir. On va voir ton clip, le fouet. 4 noscopes. 1. Encore une fois, un mec qui a pissé sur son écran. 2, nice. C'est le fils de Scootnar, ça. Je le reconnais très bien. Oh putain, il aurait pu mettre la double. Ah, c'est nice, un tabarnak, hein. Ça me fait mal de devoir mal te noter parce que c'est hors sujet, tu vois. Je suis le juge, le professeur. Et ton clip, il est joli, mais c'est hors sujet. Et après, les kills sont faciles, on va pas se mentir. Il y a juste le dernier, c'est un wallbang. Mais je te prends dans la classe quand même, le fouet. Je te mets un 3 sur 10. Regardez tous les onglets, putain. Ça va être une lourde session pour trouver mes derniers élèves. Hein. J'ai fini les onglets. Il n'y en a pas un seul. Peut-être que je suis trop demandant, mais je pense que je vais demander à mes modos Twitch ou quoi de sélectionner les clips pour la prochaine fois, parce qu'il y a vraiment trop de clips qui sont hors sujet et qui n'ont rien à voir. Donc pour la prochaine fois, vous allez envoyer un max de clips, et c'est même pas moi qui choisira. On est en train de perdre trop de temps. Let's go. Encore tous ces onglets. Radukai, qui nous fait quelque chose d'incroyable. Une flash de merde. Et ça,
Oh, j'aurais aimé avoir la réaction quand la flash elle fade out. Et qu'il se rend compte qu'il a baisé quelqu'un. Magnifique clip, Radokai, je crois que c'était ça, j'ai peur de me tromper. Tu es le 20ème élève de 7,5 sur 10. Franchement, j'ai kiffé le clip. Alors, ça vient d'un best-of d'un mec qui s'appelle FPS Clip 1. Et là, il a tué un mec. Franchement, dommage que le clip soit incompréhensible. On aimerait savoir où t'as tué, quoi. Je pense que je peux pas noter. Je vais te noter absent, tiens. Absent sur 10, voilà. Attends, quoi? Il a tué le mec car? Il a tué le mec car? C'est ça qu'on veut voir. On apprend des choses. Je savais pas que ça se traversait, putain, mais gars. Bien joué, Toto. Non, Toto, c'est le nom de l'équipe. Lui, il s'appelle juste... Hop. Non, mais tu veux pas avoir un pseudo? On va t'appeler Abdel. Abdel, pour ce wallbang, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, 7 sur 10. Vous allez dire, ouais, comment ça et tout? Mais le fait qu'ils nous apprennent qu'on puisse traverser ça, ça va changer beaucoup de choses dans la game. Vous êtes là, on va être 100 000 à avoir vu ça. L'info va se propager de bouche à oreille. Et cette pause deviendra injouable, tu vois? Ça, c'est sûr, on peut le traverser à la casse, c'est que du bois. Magnifique, merci pour ton clip. Alors, Iraz. Je sais pas si c'est un abonné ou quoi. Ça date de 2018. Donc, DOS 2, c'était encore l'ancienne, là. Et il fait ça. Overwatch ban? Non. Ah, il ment, ok. Là, faut vraiment être une merde pour prendre Overwatch ban sur ça. Beau wallbang sa mère, beau prank. Même moi, j'y ai cru. Mais j'aurais perdu foi en l'humanité si on t'avait Overwatch ban pour ça. Comment les gens ils peuvent dire ça, c'est du wallhack? Tout était prémédité, enfin bien joué Iraz. On va lui mettre un bonus prank, je lui aurais mis 6, et je lui mets 7 pour le bonus prank, bien joué. One bullet triple headshot sur D2? Oh là c'est rare là. Est-ce que ça va être un wallbang? Oh. Alors celle-là je l'ai jamais vue par contre. Franchement là je suis ravi, hein. DJ Rafax. C'est pas un wallbang malheureusement. C'est juste une collade, c'est pas un wallbang pour moi. En soi, tu fais un wallbang quand tu tires à travers la tête des ennemis, mais la tête des ennemis c'est pas un mur, tu vois, c'est plus un headbang. Pour ce headbang, je vais quand même te mettre 8 sur 10. 7 sur 10 parce que c'est HS. Qu'est-ce que c'est que ça? Dorimed? Putain, ils m'ont eu. Ah non, ils m'ont eu, ils m'ont dorimé. Bah on continue, hein. Écoute, j'ai l'impression que rien ne change dans ma vie, hein. Y'a peut-être un chien qui va venir ouvrir la porte, là? Ah oui, c'est la première fois. C'est la première fois que je peux le voir ce wallbang. Je l'ai montré dans un tuto, je n'ai jamais vu personne le faire. Je te mets un 6 sur 10. Non, en vrai, 7 sur 10 parce que en vrai ce wallbang là, il est super dur à faire parce que quand tu tires là, ça fait très peu de dégâts, tu vois. Il a dû mettre genre, tu vois, il a une assist. Il a dû mettre genre du moins 20, tu vois. Donc il est très très dur à mettre. Je te mettrais même un 7,5. Des wallbang à la K pour changer sur overpass. Molo. Tape là-dedans, c'est bien connu, ça tape dans la rivière et qui tue un autre direct. Genre là, mais pourquoi vous allez A là, genre vous avez eu 2 kills sur B. Voilà, il retourne en B. Là, faut faire une accélération, hein. Ah là, fallait... En tout cas, c'est un ace, mais fallait accélérer direct la short, hein, quand t'as 2 kills comme ça, frérot. Je crois bien que c'est les seuls wallbangs qui sont pas à la K. Du coup, je te mets un 8 sur 10. Ah, je suis trop généreux aujourd'hui, c'est grave, hein. Je suis de bonne humeur, peut-être c'est pour ça. Alors, il n'y a pas de son sur cette vidéo, mais il y a l'air d'avoir un clip pas mal. Oh là là! C'est une dinguerie, frérot! Là, la distance, le jump, 800 abonnés, pas mal. Vous voulez pas le mettre à 2000 juste pour voir ce que ça fait? Dramax. Très beau kill, je te mets à 7,5. Voici le tout dernier clip qu'on m'a envoyé aujourd'hui à 15h. Je vais noter quoi qu'il arrive. Si c'est de la merde, si c'est pas de la merde, si c'est hors sujet ou pas. Vous m'avez donné trop de trucs à la banane. Mais c'est pas grave, c'est. Vous pouvez pas savoir, c'est. C'est aussi un endroit où il y a beaucoup de wallbang, de toute façon. Attends. Tout ça pour ça? Comment? Attends, juste, comment ça se fait? Juste, une chose que je me pose. Pourquoi il pète le tonneau et il n'y a pas de vin qui sort du tonneau? Paper, pour ce dernier clip, je te mettrai un 3 sur 10, parce que c'est pas très impressionnant. Sans la calculatrice, les gars, c'est 154 sur 280. 154 divisé par 27. La moyenne, c'est de 5,7. Si on ramenait ça à une classe normale, ce serait un 11,4. Je trouve que c'est une moyenne normale, honnêtement. En général, dans les classes au lycée, c'est plutôt ça la moyenne. Moi, personnellement, j'étais en ES et la moyenne, c'était souvent 12. 13, et j'avais une bonne classe, en vrai. Juste moi qui tapais souvent des 9 de moyenne. Enfin, sauf en terminale où j'avais 11-12, et j'ai eu mon bac en ayant 19 en maths. Voilà, je flex un peu. Hein. Maintenant, ce qui va se passer, c'est pas la fin de la vidéo, c'est à moi de vous montrer un wallbang de fou que j'ai rentré, et à vous de le noter. Pour ce faire, il y aura une fiche ici, et vous allez choisir la note... C'est dans la vidéo l'épreuve Master Guardian, à 2 minutes 28. Je vais vous montrer ça. Oui. Ça, c'est une belle flash. 3-6, gros, 3-6. Oh misère, 3-6 encore.
Info sale chien, short. Voilà, vous allez devoir me noter. Moi, personnellement, si je devais me noter, je me mettrais un solide 8,5. Parce que c'est un wallbang qu'on voit jamais, que c'est une double headshot en oscope, au scout et pas à la web. En plus, ça crie, POV. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Votre moyenne est de 5,7, c'est pas ouf, hein. Et du coup, dans la description, vous avez le document pour envoyer vos clips. N'envoyez que des jump shots. Arrêtez de m'envoyer vos 1v4, on s'en bat les couilles, les gars, on veut des jump shots. Après les wallbangs, les jump shots. Et après les jump shots, on fera les triples, les quadruples. Après, on fera les ninja diffuse. Après. On fera... J'ai plein d'idées. Je vois qu'il y a au moins 50% d'entre vous qui sont pas abonnés. Donc s'il y a 100 000 vues, ce serait bien qu'on tape 50 000 abonnés en plus, non? Je sais pas, ce serait logique. En tout cas, sache que si tu t'abonnes, t'es quelqu'un de menstruel. Si t'es abonné, je t'aime. Si t'es pas abonné, je t'aime aussi, mais un peu moins, quoi. Allez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et je me barre. Au bar. Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Hard wrote the song, but I am the